L'hiver fait encore des siennes en Normandie en ce début avril, mais pourtant le plus gros de l'hiver 2021-2022 est passé. Et cet hiver, eh bien, je l'ai passé en compagnie d'une marque, la marque Q36.5, autrement appelée dans son pays d'origine Q36.5. Oui, merci Google Traduction, parce que moi l'italien ça fait deux. Cette marque, si vous la connaissez pas, c'est une marque de haute couture pour cyclistes. Pas de haute couture dans le style, mais de haute couture dans la performance et dans la technicité. On va le découvrir au travers de la tenue que j'ai pu tester tout au long de l'hiver, du moins tout d'abord d'une veste, puis d'un cuissard, mais ça on y revient tout à l'heure. La veste en question, c'est la veste Thermica Interval. C'est vraiment le tout nouveau produit qui est sorti pour cet hiver. Donc je l'ai testé durant des mois, sur des températures oscillant de moins 2 à 10 degrés. Comment a réagi cette veste? Comment elle est conçue, comment elle marche et est-ce qu'elle marche? On voit ça dans cette vidéo en détail. Allez, place au flash test. C'est parti. Hop là! Avant de parler de la veste Interval Thermica, revenons sur la marque Q36.5. Une société italienne, son leitmotiv, garantir la température du corps du cycliste à sa température optimale pour sa pratique sportive. Des études ont été réalisées et on le sait, la température optimale, qu'importe la météo, est de 36,5 degrés. Vous aurez compris maintenant le nom de cette société. Pour réaliser ça, la marque s'autorise aucun compromis. Donc on le verra, il n'y a aucun compromis dans le prix, mais aussi dans l'utilisation des textiles techniques. Ils vont vraiment puiser dans ce qui existe sur le marché en termes de tissus techniques pour concevoir tous leurs produits, à l'image de cette veste Interval Thermica qui, vous allez voir, est étonnante de technicité mais aussi redoutable. Comme tout flash test, on va revenir sur cette veste en chiffres. Le premier chiffre, plutôt étonnant, 11. 11, à quoi correspond le mot 11? Au nombre de tissus techniques présents sur cette veste. Du bout de la manche au bas de la veste, en passant par les cols, par les différentes couches que compose cette veste, on le verra tout à l'heure, il y a 11 tissus différents sur cette veste, aussi sobre qu'elle n'a l'air. C'est vrai que lorsqu'on la regarde comme ça, c'est pas son design qui nous transcende, mais vous allez voir que quand on commence à l'ouvrir, on comprend vite où est la partie technique. Autre chiffre, 450. Et là, vous allez me dire, c'est le prix, Cédric, je passe à une autre vidéo si c'est ça. Bah, 450, non, pas de bol, c'est son poids. Je tenais à revenir dessus parce que vous allez voir que cette veste est très intéressante en matière d'encombrement sur soi et surtout par le fait qu'elle va venir remplacer deux couches par une seule dans un encombrement minimum et en plus dans un poids plus que modéré en taille M, poids vérifié, 450 grammes, c'est vraiment très léger. Maintenant, troisième chiffre, 450 euros. Je crois que c'est pour vous le moment de switcher de vidéo. Oui, bah, c'est son prix, 450 grammes pour 450 euros. 1 euro le gramme. Bon, sur le papier, ça semble abusif. Mais on verra qu'une fois sur soi et une fois sur la route, finalement, on arrive presque à justifier le prix de cette veste. Autre chiffre, le dernier, 5, c'est sa zone de fonctionnement. 2-5 à 5 degrés, Q36.5 vous garantit la température optimale pour de votre corps. Passé ça, vous pourrez continuer à utiliser la veste, bien sûr, mais il faudra faire attention quand même de ne pas l'utiliser dans une météo trop chaude, car elle pourrait devenir très vite contre-productive en vous donnant trop chaud finalement et en ayant un coup de chaleur, le genre de choses qui est assez détestable. Déjà du point de vue sécuritaire, on se rend compte que cette veste n'est pas en reste. Je vous vois déjà écrire le commentaire que vous m'écrivez tout le temps lorsque je vous présente des vêtements noirs. Cédric, le noir en hiver, c'est quoi ta blague? Ce vêtement déroge un peu à la règle car il possède vraiment beaucoup d'éléments de sécurité et de zones réfléchissantes. On les voit d'ailleurs sur un plan de face, donc la zone réfléchissante vient vraiment de l'avant du bras à l'arrière du dos. D'ailleurs, de loin, on croirait presque une veste de pompier, tellement elle reflète bien et qu'on y retrouve ici des lignes directes, du moins sur l'arrière. Sur l'avant, on retrouve ces lignes sur le côté, un tout petit peu ici, sur l'avant-bras ici, avec un petit patch avec marqué la marque, et à l'arrière aussi, avec un élastique aussi, lui aussi un petit peu réfléchissant, et surtout cette flèche ici, caractéristique de la marque Q36.5, qui va elle aussi réfléchir. Donc niveau sécurité, oui elle est noire, mais elle est vraiment très bien visible, c'est un bon point. Sachez qu'elle existe aussi avec un peu plus de vert fluo pour ceux qui veulent vraiment
éclairée en pleine nuit. On retrouve trois grandes poches à l'arrière aussi, des grandes poches qui sont extensibles, donc ça c'est bien, on va pouvoir vraiment y mettre beaucoup de choses et venir l'adapter à vos besoins, smartphone, kit anti-crevaison, ravito. On retrouve même une poche zippée pour vraiment y mettre par exemple de l'argent, des choses avec un peu plus de valeur que vous n'avez pas envie de perdre sur la route. Si vous ne le savez pas, le concept de base pour avoir chaud l'hiver, c'est la superposition des couches et des matières. Sa règle de 3 est souvent appliquée, la sous-couche suivie d'une couche thermique et d'une couche coupe-vent. Ça va vous garantir de rester au chaud tout en vous protégeant du froid qui va arriver et tout en séchant plus rapide de votre propre humidité, donc de la transpiration, que vous pourrez provoquer. Sachez que cette veste est conçue pour venir remplacer la double couche externe en un seul et même produit. Cette veste est d'ailleurs constituée de deux couches en une. Alors ce système de double couche et ses 11 tissus, on s'en rend compte le plus lorsque l'on commence à ouvrir la veste. La veste, quand on commence à l'ouvrir et qu'on regarde cette doublure et ce textile avec des formes géométriques très particulières, c'est ce tissu qui va faire office à la fois de coupe-vent et de première couche isolante avant d'arriver sur une seconde couche qui, elle, est 100% thermique avec un textile polaire très fin mais très efficace. Alors vous allez dire, Cédric, comment montrer l'efficacité de cette veste sur la route? Je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai pu l'utiliser par des températures de moins 2 à 10 degrés. Sachez qu'il faudra faire attention avec les vêtements Q36.5. Ils sont annoncés pour une certaine zone de fonctionnement. Sachez que si vous voulez pousser plus bas dans la zone de fonctionnement, la veste sera toujours efficace, certes un peu moindre, et il se pourrait que vous ayez des apparitions de frissons. Et si vous allez trop loin dans la zone de fonctionnement, dans la partie haute, le coup de chaud pourrait très vite arriver, car cette veste est terriblement efficace pour être utilisée dans la zone dans laquelle elle est prévue. De moins 5 à 5 degrés, voilà ce qu'ils annoncent, vous pouvez être sûr d'avoir toujours chaud et d'être au chaud sans sensation excessive de chaleur et sans aussi sensation excessive de coup de froid. C'est vraiment très bien thermorégulé, c'est assez impressionnant. Cette marque m'a tellement convaincu et cette veste est tellement efficace que vous allez voir, on se retrouve juste à côté. Ouais, cette marque, elle m'a tellement convaincu qu'au bout de 2-3 sorties, je n'ai pas pu m'empêcher de commander le cuissard associé. La salopette hiver, moyennant 200€, j'ai fait chauffer la carte bleue. Oui, mais voilà, j'avais une veste tellement performante et un cuissard en deçà que je me devais d'avoir la tenue complète. Et voilà, comment s'auto-influencer? Ah, c'est pas tous les jours facile. Je découvrais la marque grâce à un seul produit et me voilà avec des envies de pouvoir tester toute la gamme et d'acheter toute la gamme pour le reste de l'année. Je suis mal barré au vu du prix des vêtements. Allez, on conclut. Quand on en arrive à s'auto-influencer et à s'auto-convaincre que cette marque est sûrement l'une des marques les plus techniques sur le marché en matière de vêtements vélo, avant j'avais jusqu'à maintenant la référence Asos qui font des tenues aussi très techniques, très très bonnes, rien à redire, et maintenant je mets au même niveau, voire un cran au-dessus, la marque Q36.5, certes qui propose elle aussi des vêtements techniques assez chers, mais qui sont redoutables d'efficacité. Alors maintenant, à vous de choisir. Soit vous préférez avoir 2-3 vestes thermiques à moindre prix qui représentent peut-être à la somme cumulée le prix de cette veste, mais comme ça vous pouvez changer régulièrement. Soit vous investissez une bonne fois pour toutes dans cette veste et vous pourrez passer jusqu'à 2-3 hivers avec la même veste sans problème. Car je ne suis pas revenu sur l'aspect entretien et usure dans le temps, mais cette veste, elle n'a quasiment aucun signe d'usure à part les 2-3 tâches de préventif lié à nouveau à la crevaison, bref, on va pas refaire la chanson. Et j'ai aussi trouvé que le tissu isolant interne a peluché un peu lors de mon premier lavage en machine à laver. Sachez que j'ai lavé le vêtement à 30 degrés avec des cycles courts d'essorage, très très courts, donc vraiment au minimum pour ne pas venir abîmer et casser la fibre et venir rendre l'objet plus performant. Et pourtant ça a un petit peu peluché, mais ça s'est stabilisé et ça ne bouge plus du tout maintenant après des dizaines et des dizaines de lavages. Donc c'est une veste qui va durer dans le temps et tant mieux au vu du prix, c'est ce qu'on lui demandait aussi. Si on m'avait dit un jour que je pourrais essayer ce type de vêtements
Et pire que ça, que je sois convaincu de l'efficacité et même du prix, que je justifierais le prix d'un vêtement aussi cher aussi facilement. Et pire, que je débourse une somme d'argent supplémentaire pour voir m'équiper de la tête aux pieds de cette marque. Il n'y a que cette marque qui a réussi ça pour le moment. C'est signe que cette marque m'a plus que conquis. Allez, on se dit à très vite pour une prochaine vidéo, un prochain essai de vêtements. Peut-être le nouveau maillot NCT qui passera à la loupe pour vous le présenter. Allez, on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. D'ici là, comme toujours, portez-vous bien. Ciao, bye bye.